Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de USC Counterforce. Excusez-moi, je suis en train de me demander si je scannais ici ou là. J'ai tout scanné là et on couvre les deux entrées. On était en train de se préparer à passer le tour et du coup je clique de ce pas. Allez, les trois de poison, voilà, merci. Lui il est mort des flammes, il laisse un bébé. Lui il est pas mort, il va nous faire chier très probablement. Allez, on allume ça. Plein de verre ici, un skitter là. Il va bouger, je pense. Ok. Je préférerais utiliser mes actions sur lui. Ok, il se replie. C'est pas si mal. Ah, il en reste un alien. Il y en a un deuxième, ok. Je me disais, c'est bizarre qu'on ait encore des vagues roses là. Ah, t'as 10 de poison, faut que tu fasses une picousse toi. Bah, je picousse tout le monde parce qu'il faut leur enlever leur stack, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Toi, t'as quoi toi? 125 sur 120 PV. On va te mettre un petit bandage, ça mange pas de pain. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Un worm ici. Le nid est bien protégé, là il y a un leech egg qui va pas tarder à éclore probablement. Ici, on peut défoncer lui comme ça c'est fait. Là, il est un peu loin, encore que... Vas-y, on y va. Ouh putain, il y a du peuple là. Ok. La priorité c'est lui. Là, on va aller jusqu'ici parce qu'ils aiment pas être au corps à corps ceux-là. On va lui mettre. On a 12, on peut lui mettre 2 comme ça. Hop. Hop, on lui a mis un petit debility. Ding. Parfait. 54 de saignement, c'est plutôt pas mal. No problem. Pareil, on va venir lui mitrailler la tronche au corps à corps. Pas de mal. Ok. À tes souhaits. On va envoyer lui le finir. On n'a plus de munitions. Allez, 137, 135 et 152. C'est fait. On ramasse le loot pendant qu'on y est. Tiens, on va ramasser l'autre plus tard. Pour le moment, il faut qu'on aille soutenir le médic avec Shobiti. Hop, en défense. Sur ce flanc. On peut viser lui, excellent, on va le faire. On a du perçage d'armure avec lui. On peut se permettre de tirer de face. Là il y a un nid, est-ce qu'on peut se le faire ce nid? Niveau angle, c'est pas idéal. Vas-y, progresse, voir un peu ce qu'on a. Ah, il y a un shepherd ici. Des jeux, deux petits worms. Le, voilà, parfait, tu te couches. On va avancer avec toi jusqu'ici, non tu peux pas. Hop. Ah, on a plus qu'une balle ici, bon, c'est pas grave, on va défendre avec ça. Toi tu peux descendre jusque là par contre. Tu poses ton minigun sur l'épaule de Dame Ned. Et t'allumes tout ce qui passe. Toi tu vas te relever. Tu viens te mettre là, dans le petit trou, et tu défends. Backé par toi. T'as pas assez pour recharger, donc fais avec ce que t'as. Toi t'as assez pour recharger, ok. Toi du coup, défense également.
Et là... Viens jusque là, toi. Tu occuperas de ramasser ça quand les aliens seront morts. Et tu défends ce flanc-là. Ok. Ah, et là, c'est celui qui s'était enfui, en fait. Alors, tous les petits worms, là, ils vont nous emmerder, hein. Ils vont prendre le... les surveillances, mais c'est pour ça que j'en ai mis plein. C'est cher pour éliminer un truc pareil, mais bon. Aïe. Ah. Non, ratez pas par contre. C'est pas cool ça. Ah ouais, du coup, voilà. Vous prenez cher quand vous ratez. Hein. C'est le pronostic de base. Hein. Ok, il n'y a plus que 17 aliens, dont un nid. Il faut s'en débarrasser absolument là. Hein. Ça devient critique. Démonique, il va lui falloir du soin. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit medikit, un gros medikit, 160 de vie. Oh oui, ça fera pas mal ça. Hop. Alors lui, il faut le buter de loin parce que si on s'approche, il nous empoisonne la tronche. On n'a pas un angle avec toi? Ouais, non, il y a ça devant là. Toi, tu peux déjà te faire ça. Voilà, excellent. Ta dernière balle. Alors, tu vas te prendre un petit pansement pour diminuer un peu ton saignement aussi. Allez. Rate pas, quoi. Merci. Bon, on arrive en bout de map. Alors, le bleu. Tu remontes chercher le loot. En plus, il y a un truc qui essaie de nous contourner là. Raison de plus pour remonter. Ouh, deux Azura, excellent. Lingé. Viens donc nous pirater ce truc-là. Voilà, un petit code fragment. Bon, 14, mais il y a moyen qu'il y en ait qui commencent à popper sur les bords, ça qui est chiant. Là, l'objectif c'est de descendre absolument. Là, si je vais jusqu'ici, j'ai 21. Il y a moyen de faire un disperse sympa là, mais c'est un peu trop loin malheureusement. Donc pour l'instant, on va juste se contenter de looter ça. Ça, c'est pour du fusil à pompe. Donc pas très intéressant, dommage. On a un minou normalement là. Ouais, voilà, parfait, on a un minou. Bon. Lingé. Si tu pouvais aller. Non, non, stop, tu fais quoi? Ah oui, putain, il y a un caillou là. Ok, viens ici déjà. Essaye de voir si t'as un angle. Excellent. Parfait. Maintenant, toi, mon cher Aminou. J'apprécierais que tu leur disperses de l'hydrazine dans la mouille. Voilà. Et après, il va falloir balancer une petite grenade. Bon, ça l'a pas tué lui, néanmoins il est un peu dans le mal quand même. Mets des pansements toi. Toi tu vas commencer à avancer par ici. Ça c'est pas utile. On a 15, on peut mettre un comme ça. Commencer à jouer un peu avec l'armure de la sale bête là. Plus de munitions. Tu vas défendre de ce côté là. Là on a beaucoup de monde encore.
Yes, sir. Vas-y, défends là. Holding position. Défends là. Si lui sort et qu'il va taper sur le mur, ça me dérange pas plus que ça. On a vraiment pas d'autre loot là, une petite caisse. Non, il n'y a pas de caisse, ça, c'est que des trucs à la con. Bon, il y a de l'hydrazine à aller prendre, cela dit. Roger that. Tu vas peut-être te faire un peu plaisir du coup. Voilà, recharger tes munitions de lance-flammes. Toi, tu viens là. Si on veut aller jusqu'ici, là, ouais, faut faire le tour. Faut passer par là, il n'y a pas le choix. Tout ça, c'est fermé. Ce qui est excellent. Alors, moi, je peux sauter, mais les ennemis ne peuvent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les ennemis peuvent faire. Ok, ici. On défend. Toi, t'as plus de points. Jeter un œil à l'arrière. Pour l'instant, pas d'ennemis, a priori. Un petit scan pour voir s'il y a personne dans notre dos. Non. Non, non, stop. Ne marche pas dans la purée, s'il te plaît. Voilà. Dans la purée. Et toi, parce qu'il en reste quand même 11 encore. 1, 2, 3, 4. On en voit 5 avec le nid. Donc c'est qu'il y a des saloperies quelque part. Yes, sir. Holding position. No problem. Toi, viens par là. Ok, c'est parti. Le nid est clos, pas de problème. Il se répand encore Tangle plus. Down. On va buter du petit worm. Target ahead. Gotcha. Tango down. C'est fait. Ah. Là ça bouge. Ah bah ils sont là la plupart des worms. Lui il vient de rentrer sur la map. Lui il se replie, gotcha. Très bien, ça c'est mort. Alors par la map en général ce qui peut rentrer c'est des scorpions ou des crawlers. Là visiblement on a un Reaper qui est rentré mais c'est assez rare. Allez. Attack. Faut descendre ce nid là, avec ses 750 PV. Voilà. Donc là, on a une saloperie. Yes, sir. Même pas dit qu'on ait un angle de tir parce qu'il est derrière un caillou. Si. Léger angle de tir. Target hit. On va mettre lui devant. Accroupi. En défense, il prendra quasi rien. Et là on a une mouche qui a popé également. Ok, donc il y a quand même de la belle saloperie qui sort là. Fire. Si je me mets là, je suis plutôt bien. Kill confirmed. Oh non, rate-le pas. Enemy merci. Down. Ok, plus que 7. Il y en avait un autre qui s'était baladé là, qui s'était replié, je sais pas où je crois. Donc, on va défendre au cas où. Toi, tu commences à être un petit peu en déche de PV. Fil médic, viens là, finis-nous le nid. Là, il y a une mouche qui est rentrée, ok. Ok, le nid, c'est fait. Il n'en reste plus que 6 ennemis. C'est excellent. C'est excellent. Est-ce qu'on a une diagonale là de tir? Ouais, genre là. On est en face de lui donc on en profite. Hein. C'est là qu'il a le moins d'armure. Parfait. Excellent. Je pensais pas le tuer, franchement. Je ne pensais pas pouvoir le tuer. Du coup là faut défendre vers le haut parce qu'il y a l'autre qui peut se pointer.
Vas-y, avance d'une case. Comme ça. Tu couvres son angle s'il décide d'avancer par là, c'est plutôt pas mal. Fil médic, il te reste 10 points. Pour l'instant, tu soignes pas. Hibou médic non plus. Toi, tu vas te rapprocher. Par là. Excellent. Oh bah parfait. Donc il reste une mouche là. 4 ennemis en tout. C'est pas vraiment où ils sont. Donc on va donc devoir potentiellement fouiller. Alors la mouche là, elle va probablement essayer de passer par là. Éventuellement faire le. Éventuellement essayer de viser le bleu, mais elle fait des attaques de zone donc. Là il y a une ouverture là. On va aller jusqu'ici. Et on va couvrir. Par là. S'il décide de passer. Non, on est pas hyper bien placé. Plutôt par là, voilà. Et on verra. Et toi, défends donc ce côté. Bon. Ah putain, elle a un angle de tir. Bon, elle a pu faire qu'un seul tir, ça va. C'est cool. 10 ennemis qui sont rentrés sur la map. Oh la vache! Putain. Ah ouais, il y en a deux gros là déjà. Ah le jeu il troll là. Roger that. Bon, toi. Target hit. Engaging enemy. Voilà. Bon, 96 de saignement, ça va suffire. Est-ce qu'on voit du monde? Là-haut. Là, il y en a un. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un gros crasheur. Attack. Target hit. Il est tout petit au loin là. Fire. Allez. Tango down. Ok, 9 cibles restantes. Il y a eux. Là j'ai pas un angle là. Si parfait. Target hit. Target hit. Allez Chobiti. Target hit. Mieux que ça là s'il te plaît. T'arrives pas. Hein. Fire. Allez. Oh là là. Vraiment des sales bêtes. Ici, si je peux aller mettre un full burst ici. Understood. On va le faire. On l'a pas tué. Ok. Il va falloir du renfort. Ok, là. Niveau PV, il nous manque une centaine. C'est parfait pour un petit medikit. Profite pour enlever le saignement. Lui il est mort je pense, pas la peine de s'embêter plus. On voit personne d'autre. No problem. Ok, on va reload couvrir cette zone. Alors, qui serait dispo pour un peu de un petit renfort ici? Toi. Understood. Même s'il faut contourner massivement. Ah putain, c'est trop loin. Et avec un pinpoint, ouais, pinpoint ça passe. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Toi, tu peux l'atteindre? Non. Vas-y. On est beaucoup trop loin. Donc
Ici on va devoir défendre et on va se faire taper ici hein. Y a pas vraiment le choix pour le coup là. On va commencer à amener Aminou. Pour aider au prochain tour si on peut. Et toi aussi. Il y en a encore 8 quoi. C'est tendu. En termes de munitions, ça va être tendu. Surveille les arrières, toi, tiens. Et toi, bah, reload hein, avec tes points. Ah, qui reste 5 points? Ah oui, toi. Gagne une case, vas-y, gagne 2 cases. Ok, alors lui, il faut qu'il crève. Voilà, parfait, merci. Ok, on voit que ça progresse ici, il y en a un là, un autre qui a popé dans notre dos. Un autre Reaper par là, ok très bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a au moins deux qui sont rentrés. Ouais, il y en a un autre là. Ils sont 11. Sans déconner. Quel enfer. Ok. Toi, tu avais droit à un petit bandage médic là. Il te manque 100 PV. Ouais, tu vas prendre un kit de soins. Allez, viens là. Défonce-moi ça. Sale bête là. Allez, là, on en tue un. On recharge, on en tue un autre. On avance, on en tue un autre. On avance, on en tue un autre. Ok, on est redescendu à 8. T'es sérieux, Aminou là? Je sais que t'es pas hyper efficace avec une arme comme ça, mais il y a des limites quand même. Allez, lâche. Lâche. Ok, donc ici. On va aller l'allumer. Attends, on a plus qu'une stack de munitions. C'est chaud. Oh. C'est hyper chaud. Il en reste 6, on en voit 2 a priori. Ce qui n'est pas hyper cool. Va dans son dos toi, t'auras moins d'armure. Tu pouvais le terminer. Merci. Ici, un scan. Ok, il y en a un là. C'est tout ce qu'on voit, donc il en reste 5, on en connaît 2. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit worm. Vas-y, un petit lunge. Ok. 102 pour 140, donc lui il est mort. Parfait. Maintenant, si on pouvait. Understood. Toi, tu pouvais te pousser. Tu suis là. Ok. Il en reste plus que 4. Que 4, mais on en voit vraiment qu'un. Hein. C'est ouf. Et le problème, c'est que si on se regroupe au centre ou un truc du genre, bah ils vont continuer de sortir de bord de map, quoi. Donc non, il faut qu'on.
faut qu'on se prépare à aller les chercher. Holding position. Affirmative. Roger that. Holding position. Holding position. Recule un peu toi. Prendre un petit peu de. Holding position. Holding position. Holding position. Holding position. Vas-y toi, tu vas aller couvrir le bâtiment là-bas, je pense. Yes, sir. Ils sont probablement dans ce coin-là vu qu'on les a pas vus. Holding position. Ça serait Roger bien de remonter avec toi. Copy that. Eh bien, voyons ça. Donc lui meurt. Ah, on a vu un là. Ah putain, Shepherd. On va pas le tuer avec de l'us de la surveillance, lui. Ok. Comme prévu, ils sont par là. Voilà, pas mal, on a foutu le feu ici, ça c'est plutôt bien. Ok, il en reste que deux. Il n'y en a pas d'autres qui sont rentrés, on va pouvoir se les faire. Alors c'est dommage que ce soit un scorpion, je me le serais bien fait à la hache pour économiser les munitions. Mais il va pas y avoir trop le choix. On va se permettre d'amener l'ingé jusqu'ici, faire un scan. Si jamais lui est mort avec les flammes, pas la peine de cramer de la munition dessus. Ah, il est trop loin, merde. Je vois pas, vas-y, approche un peu encore. 196 pour 41, bah il est pas mort, donc on va se faire. Voilà, ça y est, c'est fait. Lui. Alors, non, fais pas ce genre de choses, sniper, s'il te plaît. Ok. Et je pense que je vais le finir parce que j'ai pas envie qu'il y ait un nouveau jet, qu'on repop des ennemis. Normalement, là, on est bon. T'as pas looté le truc qu'il y avait dans le menu ? Non, je l'ai pas looté parce que c'était des munitions de fusil à pompe. J'ai pas de fusil à pompe. On a du poison un peu partout, c'est chiant le poison. Good job, commandeur. Ok, on a quand même réussi à monter un petit peu. Alors, bien joué, la zone est nettoyée. Tout est négatif sur le scanner. La frappe orbitale est en train de commencer alors que nous parlons. Soyez prêts à rentrer dès que la brèche est complète. En parlant de rentrer, il y a une petite complication. Ah bah voilà. Le scanner suggère qu'il y a un nombre de... Alors des bouches de canisters, c'est des stockages chimiques qui ont été sévèrement endommagés pendant l'attaque alien. Et du coup il y a un gaz toxique qui a saturé les souterrains. Ah la vache. Les filtres de votre combinaison ne seront pas capables de gérer ça pendant plus de 10 minutes. Et même avant ça, vous commencerez à être empoisonné. Rien de bien grave, hein. Juste rester en vie. Ok, donc c'est là que les masques à gaz auraient été utiles, du coup, j'imagine. Mais on n'en a pas. Alors. Oh la vache, on va prendre 3 de poison par tour. Faut qu'on récupère ça en secondaire, 3 objectifs secondaires et qu'on trouve le mainframe. Ok, alors. Le système central est tout souterrain moins 2, mais grâce à la FARP orbitale, vous y arriverez directement. On n'a pas les plans de l'installation, donc vous allez devoir explorer. Bravo, putain, les mecs, vous êtes bien préparés quoi. Localisez le serveur, récupérez le disque et sortez. Alors, le gaz empoisonné fait que toute la mission va être va être très tendue en temps. Malheureusement, on ne peut pas attendre que le gaz se dissipe. On n'a pas tout ce temps jusqu'à ce que les aliens s'intéressent de nouveau à notre présence.
Il nous a aussi été dit par les scientifiques que la nature de ce gaz le rendra toxique pour la plupart des aliens aussi. Donc, du coup, on rencontrera probablement des aliens qui ont des résistances au poison, puisque les autres seront morts. Il y a beaucoup de serveurs dans le labo, et si vous arrivez à récupérer le maximum de recherches supplémentaires, eh ben, les gens seront contents. Ouais, bah. Merci, cadeau. Ok, où sont nos ingés? Ah, celui qui est le plus proche, on va envoyer un petit scan. Ah, coucou! Bon, l'avantage, comme il disait, c'est que ça va être des trucs résistants au poison, donc voilà, probablement des petits worms à la con, principalement. Du worm pig ici. Sympathique petit couloir. Ah, par contre, va surtout falloir qu'on trouve des ressources, hein, parce que là, on est vraiment beaucoup trop à poil en termes de munitions. 122 balles, quoi. Ça va être chaud des fesses, si j'ose m'exprimer ainsi. Ok, il faut ouvrir la porte là. On a un petit worm. Excellent, tu vas progresser. T'as plus de balles. Un générateur fermé, ok, très bien. On va laisser ouvert pour le moment, on verra si je ferme. Toi, va jusqu'ici et ouvre-nous cette porte. Il faut qu'on trouve de l'équipement. Ok, il y a une autre porte. Tu peux y aller l'ouvrir, ouais, tu peux y aller l'ouvrir et refermer après en cas de besoin. Bon, ça va pour le moment. Toi, tu peux venir jusqu'ici. Buter ça. Alors là, on sait pas du tout combien d'ennemis il y a. Hein. Pour le moment, c'est totalement la découverte. Ici, c'est de la merde parce qu'il y a du radioactif poule partout. Donc, on va tuer celui-là pour qu'il nous emmerde plus. Et après, on va refermer la porte. Et après, on va défendre. Toi, t'as 12, donc ouais, non, du coup, tu vas plutôt te reculer dans un petit coin en sécurité, laisser les autres faire la défense. On va défendre par là en fait, si jamais il y a un truc qui arrive à ouvrir cette porte, même si je pense qu'il n'y a rien qui marchera là-dedans. Toi, t'aurais bien besoin d'un petit bandage, mais ce sera plus tard. T'as 17, vas-y, baisse-toi. On va mettre le sniper juste par-dessus ton épaule. Comme ça, s'il y a des trucs qui arrivent là, on les défonce. Ça me paraît un bon plan. Non, toi. 13-26, vas-y, pousse ça là. Ok, très bien. Accroupis-toi. Défense. Toi, défense. Toi, tu vas venir jusqu'ici. Tu t'accroupis. Défense. On va mettre toi par-dessus. Alors, il va falloir qu'on avance, hein, parce que la vache. 3 de poison par tour. Ça va piquer. Ça va piquer très fort. C'est qu'il y a encore des points, toi, ouais, tu es en défense, et toi, bah, t'as rien de très intéressant à faire, donc reste là. Ok, un gros, là ça tape sur les murs, on s'en fout.
Je pense qu'il y a quasiment aucun alien capable d'ouvrir des portes qui supportent le poison. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Par contre, ils vont nous mettre des petites radioactives poules, mais partout. Il y a du loot là, faut qu'on aille chercher ça. Si c'est des munitions, faut prendre. Ok, là il y a quelque chose qui cogne la porte d'assez gros. Allez, on lâche rien. Ils sont nombreux quand même, hein. Là ça m'emmerde parce que lui il est juste à côté des caisses. Donc si on le tue, il va nous péter les caisses. Il faut qu'on aille chercher les caisses et qu'après on le tue. Ce qui est assez relou, très honnêtement. J'ai l'impression qu'il y a deux machins là. Ah, ça bouge de l'autre côté. Ah, ils supportent le poison eux. Ah merde. Sale bête. Putain, ils ont laissé trois trucs quoi. Déjà 10 stacks de poison là. Oh putain. Ça fait mal. Moins 12, moins 10. Oh putain. Ok. Qui a pris cher? Toi t'es à 14 et en plus t'as bien perdu en vie. Donc on va te mettre un petit medikit. Voilà. Aminou, t'as 86 sur 160, tu peux encore encaisser un peu. Bon, ici il faut qu'on aille ouvrir cette porte, voir ce qu'il y avait derrière. Un worm, on va juste rentrer. Prendre ça. Okidoki. Hop. Understood. C'est un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac. Ok, il y a de l'hydrazine à prendre, on va y aller à l'hydrazine. Hein. Là on va reprendre le lance-flamme. Engaging target. Voilà. Brutal mais ça économise des munitions. Bon, par contre tout est en feu donc on va devoir partir par là. Est-ce que la petite séance de soins... Toi tu te prends une petite picouse, on va mettre un bandage là. Toi, relève-toi. Dis-nous si tu peux pousser ce truc. Non, non, on peut pousser ça, ça ne sert à rien. Il faudrait ouvrir cette porte. Parce que là, on est d'accord, j'ai aucun angle pour sauter. Ça fait chier. On peut aller passer par là, là. Alors toi, en termes de shoot, tu pourrais shooter celui-là. Là, il y a deux trucs, donc il nous faut quelqu'un avec de l'agilité. Agilité en secondaire. Toi, tu pourrais y aller. Le soldier, il pourrait y aller aussi. Ce serait plus, probablement le plus logique. Il a plus de place dans son inventaire. Roger that. Roger that. Vas-y. Jump. Prends le loot. Searching. Ah, des trucs pour enlever le poison. Pas mal. Il y a encore plein de loot derrière. Ok, donc faut rentrer dans cette salle. Là, il y a des trucs à pirater. Est-ce que c'est toi qui as un piratage à distance? Oui, c'est toi qui as un piratage à distance. Excellent. Understood. Vas-y, viens là. Pas pirater ça à distance, non c'est trop loin, c'est trois cases. Ouais normalement tu devrais pouvoir. Bon, de toute façon il faut qu'on tienne cette salle, donc du coup on va reculer là. Ah putain, il me faut un angle là. Il nous faut un angle pour buter celui-là là. Ici je le voyais. 56, c'est pas dingue mais pff, ça fait le taf. On a mis des flammes partout. Target hit. On ne peut pas changer. Kill confirmed. I can't do that. Kill confirmed. Du coup il est un peu tout seul lui hein, mais il y a plein de choses à récupérer.
Vas-y, mets-toi en défense, on va essayer de t'amener des copains. Attaque. Fire. Ah la vache. N'arrive pas. Pousse-toi du chemin s'il te plaît. Understood. La porte est ouverte là. Et là il y a un truc à fermer. Il faudra aller fermer cette porte. Probablement un travail pour toi. Ou alors tu vas fermer ça. Non, la porte c'est la priorité. Fire! Attack. Tango down. Yes, sir. La porte. Ah. J'aurais peut-être pu. Ah, on peut pas fermer cette porte, elle est cassée. T'es sérieux? Ah merde. Ah, du coup, c'est le double échec là. Bon, on va se préparer du coup. Est-ce qu'il pourrait avoir envie de sortir par là? Parce qu'il va y avoir des trucs qui vont vouloir sortir par là. Non, toi, tu vas pas défendre là. Tu vas essayer d'aller ouvrir cette porte là. Parce que ça va nous permettre de sauter en fait là. Et il faut qu'on trace. Ça va être pas mal là. Ok. Très bien, à toi. Roger. Vas-y, viens là. Pour ça, il y a des petites merdes. Il faut combien pour fermer? 6. Engaging enemy. On tue un et on referme. À toi, saute. I'm on it. Il est trop près lui, je peux te le faire, parfait. Excellent, là on voit rien d'autre. Ça a l'air d'être un cul-de-sac. Ouais, c'est un cul-de-sac, pas de porte. Ok, donc il faudra faire demi-tour ici. Très bien. Toi tu vas aller te préparer ici. Oh, y'a un nid. Putain. Deux nids. Deux nids potentiellement. Ok. Un générateur qu'on pourrait peut-être envisager de faire péter pour désintégrer toute cette salle. Pourquoi pas. Understood. Du coup, il n'y a pas besoin de 2000 personnes par là, ça va plutôt être par là-bas que ça va se passer. Ah merde, je peux pas passer là. Ah merde, je me suis coincé. Tant pis, c'est pas grave. Holding position. Yes, sir. Là, on a juste ce qu'il faut pour sauter. Toi tu peux gagner une case. Ici du coup on est un peu tout seul face à l'adversité. Là je pense que toi on va te préparer là. On ouvre la porte, on tire là dessus. On l'endommage et après on se casse. Si ça explose aussi fort que les... Ouf. Si ça explose aussi fort que les générateurs Gauss, on va être bien. Ouf. Fire. Ah oui, on est en full burst. Merde, ça c'est con. Tant pis. Ici il y a un max de trucs à pirater dans cette salle, hein. Faut qu'on vienne avec, avec un ingé là. Ah, ce cri des Wampings, c'est parfait, ils se sont mis côte à côte. Ah, il y en a un autre.
Ah putain, le moral qui se casse la figure. Ça va piquer. Non, on va avoir mal là. Alors, est-ce qu'il rate son jeu de morale? C'est la question. Ah putain, il panique. Ah, il court dans les flammes quoi. Bon. Ok, ok, ok. Là, il y a une autre porte, mais c'est tout en haut. Bon, voyons voir déjà le plan. Plus de munitions, parfait. Pas mal. Pas mal, franchement. On referme. Ah merde, la porte explosée. On peut plus refermer la porte. Du coup, on referme pas, mais on a quand même bien fait le taf. Attack. Okey-dokey. Engaging enemy. I can't do that. Bon, par contre, il y a quand même les deux nids là qui sont un peu chiants. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Un worm là. Des portes ouvertes. Bon, ici on a 31, donc tous les lignes inférieures. Par contre, du coup, t'as chopé une petite picouse, donc tu peux t'enlever un peu de poison. Ça, c'est plutôt bien. Et encore un coup en te boostant un peu le moral avec ta petite pilule. Parfait. Le problème ici, c'est ces deux saloperies là. On va être obligé de marcher en fait dans un des trucs, pas le choix. On peut pas pirater ça à distance, intéressant. On en tue quelques-uns. Toi, est-ce que t'as de l'agilité? Non. Donc pareil, tu vas devoir marcher dans le... Non, alors ça c'était peut-être pas utile par contre, mais bon, tant pis. Tout ça c'est des trucs à distance, hein, donc il faut qu'on s'approche. Yes, sir. Ok, qui d'autre serait disponible? Toi déjà, tu peux revenir un peu par ici. Understood. Ton moral est remonté, c'est pas si mal. Toi, tu pourrais sauter éventuellement, mais tu peux pas passer pour le moment. Ouais. On se débarrasse de ces gens. On a un médic avec de l'agilité ici. Donc, on va plutôt envoyer elle. Voilà. Est-ce que de là où t'es, tu peux toucher des gens? T'as plus de munitions. Fuck. Ah merde, on a plus de munitions, genre plus de munitions quoi. Ah putain. Ok, on garde 20. On va filer un chargeur, mais on a plus de. On a... Bon, ok, t'as plus de munitions donc, t'as plus de munitions. On va utiliser tes points pour te placer du coup. Affirmative. Hop, voilà, ici tu seras prête. Faut qu'on trouve des munitions là. Hein. Là on a quoi? Alors, j'ai vu, j'ai fait une petite vidéo avec Ilek qui m'a appris qu'en fait on pouvait voir dans le truc en haut là les loot dans les coffres. J'avais jamais fait gaffe. Et là en l'occurrence, il y a de quoi se soigner, mais il y a zéro munitions. Enfin si, il y a des munitions pour le PM. Donc au pire, on lui filera un PM à elle. Faute de mieux. C'est qui a le PM? C'est toi? Ouais. Là, il nous reste 140 balles. 176 ici, donc on pourrait éventuellement en partager un peu. Toi, il te reste 10 munitions plus ton chargeur. Putain.
Ça va être chaud quoi. Ça va être tellement tendu, mais tellement tendu. Toi, tu fermes ça. Déjà, on n'en parle plus. Ensuite, tu viens là. Tu nous avoines ces deux-là. T'as plus de points. Bon, du coup. Finis celui-là, s'il te plaît. Toi, tu viens là. Vas-y. Vas-y. Plus de points. Putain, du coup, il y a encore plein de saloperies de poules de radioactifs partout. Putain, la vache, il y a deux machins là. Il y a encore un peu de loot. Là, on est dans le dos. On a moyen de se le faire, je pense. Si on le rate pas trop. Ok, maintenant il faut sortir d'ici. Parce qu'il y a beaucoup trop de crashers. Ici. Affirmative. Vas-y, saute. Qu'on voit un peu ce qu'on nous attend. Alors, on voit pas le truc à récupérer, mais il est probablement à l'opposé, comme ils disent, hein, donc dans ce coin-là, sans doute. Holding position. On va défendre à peu près comme on peut. Pareil pour Roger toi. That. Holding position. Défends comme tu peux. Toi, est-ce que je t'envoie par ici ou par là? On a déjà Aminou ici. Est-ce que t'as de l'agilité? T'as de l'agilité, donc éventuellement ça pourrait être une idée de t'envoyer par ici. Yes, sir. En plus tu pourras donner ton PM à la copine là. Vas-y, on va faire ça. Roger that. Hop, comme ça elle au moins elle pourra de nouveau attaquer. On va prendre des dégâts, mais bon, on peut pas y faire grand chose. Toi, il te reste 4 points, mais ça sert à rien d'avancer plus. Toi, du coup, tu donneras ton PM et tu fermeras ça. Et après, Phil Medic s'occupera du reste. On peut se mettre en mêlée. Voilà, un petit coup de fusil, fusil d'assaut sur le coin de la tête, ça fait toujours plaisir. Ok, parfait, lui est mort comme prévu. Là ils vont pas crever, mais au moins ils souffrent un peu. Attack. Target hit. Putain, il tape fort sur les murs hein, mine de rien. Fire. Ça tire dans le coin là, ouais. Petits enfoirés qui essaient de se faufiler. Engaging enemy. Attack. Fire. Bon, le générateur il a fait le taf quand même. Hein. Enfin, l'explosion du générateur a fait le taf, on va dire. Alors on va prendre, hein. Il n'y a pas moyen d'éviter ça de toute façon. Là, si on pouvait fermer quelques portes là. Je pense que c'est cette équipe là qui est bien placée pour aller chercher le truc à récupérer. Waouh. 18 ici. Ouais, le bleu il commence à souffrir là. On n'a pas de soin. Si je crois qu'il avait ramassé un soin, on va lui filer même s'il est pas spécialiste, tant pis. Mais il va falloir là.
30 points, mais ah, tu peux pas le faire sur quelqu'un d'autre. Ah, c'est not all self. Ok. Bon, du coup, file-le à lui. Voilà, il va te soigner, tant pis. Putain, lui, si on le tue là, on va avoir une radioactive pool hyper mal placée. On a quoi là? Oh, des munitions! Oh, plein de munitions! Oh, merci! On a plus de quoi ramasser, mais on a des munitions de fusil d'assaut et des munitions de. Pour Démonique Chobiti là, qui a plus que 10 balles. Celui-là, tant pis, de toute façon il faut éliminer un peu d'ennemis. Ici on va te caler un bandage. Toi tu fermes ça. Tu donnes ça à elle. Et tu vas aller jusqu'ici. Donc là on a quoi à récupérer? Là on a des munitions. Un truc propriétaire. Un truc pour réparer les murs. Ok, des bandages. Searching. Une pilule. Là il y a 8 pilules là et du kit de soins, c'est mieux. Bon, on va prendre ça déjà. Il faut qu'on se débarrasse de ces cons. Toi tu vas t'occuper de me hacker ça. Ce sera ton travail dans ce sympathique petit garder tes balles. Vas-y, viens là. Saute. Tu peux pas hacker ça, dommage. Ici on va aller là. Hop là. Découper les fesses à lui. Voilà. Très bien, toi. Équipe-nous ça. Et va chercher des munitions. Alors ce truc là, fais-le tomber, on a malheureusement pas de balles pour. Tu prends ça, excellent. Tu prends ça, tu prends ça, ça. Ça pourrait être utile mais pas tout de suite. Ouvre cette porte. Oh putain. Ah, oh la vache. Ok, ferme cette porte. Ça va pas être possible. On va laisser cette salle tranquille, je pense. Tout ça, c'est du mur. On va aller essayer de passer plutôt par là-bas. Ok, Aminou, t'es en train de mourir. Fais quelque chose. Allez. Ok, ça c'est fait. On va rentrer dans la salle. Oh là là, mais tellement. Ok, déjà il n'y a pas de porte là. Il y a une porte là, mais ils peuvent pas l'ouvrir. Ici il y a quoi? Du soin et du soin de qualité, mais c'est pas la priorité. Toi, il faudra que tu viennes jusque là et que tu passes avec ton lance-flamme. Toi, mets-lui une picouse et un medikit. Hop. Et on n'aura pas moyen de faire malheureusement de dégâts intéressants. Fire. Bon, ils ont mis beaucoup de loot, ça c'est plutôt bien. Yes, sir. Toi viens là, allume ça. Ramasse donc les high explosives, ça va faire bien plaisir les high explosives. Toi tu vas gagner une caisse par là pour que les copains puissent venir faire le plein de munitions. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse pas tant vu qu'on en a déjà récupéré largement ce qu'il faut. Toi tu recharges, ouais, y'a tout ça qui te coince, c'est bien ce que je craignais. On va tirer. Allez. Allez. Merci. Gagne une petite case.
toi tu viens là et tu défends. Holding position. Toi tu viens là. Holding position. T'as plus de munitions. Tu recharges et tu défends. On va allumer celui-ci là. Ici on n'est pas très très bien, on n'a pas beaucoup de monde. Yes, sir. Va falloir 92 balles. C'est chaud. Holding position. Bon ici du coup on peut commencer à se replier. Toi t'es en flamme encore. Ouais mais ça va, t'es mieux déjà. Ok, on peut déjà ramener un peu de renfort là, ça c'est cool. Viens là. Prends-toi une pilule, c'est pas la peine de crever encore plus. On va défendre. Toi tu vas te replier, on n'a pas besoin de toi. Ouais. Clairement on va rien faire ici. Faut qu'on se replie. Là on va ramasser, on va pirater avec le. Avec l'ingé là, tout ce qu'on peut. Prépare-toi à te mettre ici. On va pirater tout ce qu'on peut. On va looter un max avec lui. Et après on s'arrache. On passera jamais par là, c'est pas possible. Alors là toi encore, t'as encore 10 points toi. Bah reload tiens. Toi t'as 9, tu fais rien de plus. Si tu peux reload, ce sera toujours ça de prix. Allez go. Et salut Alastre, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Tellement de monde dans le coin, putain. Gotcha. Alors là, t'arrives sur une mission un peu tendue à l'astre, hein, pas se mentir. C'est un petit peu chaud. Et surtout, c'est pas fini. Ah, ils ont même pas besoin de bouger, donc ils déclenchent pas les zones de surveillance. Ça tombe bien, tu restes pas longtemps. Eh bah écoute, parfait du coup. Bon, bah, va falloir mettre du soin ici, très clairement. Oh, on n'est pas mort quand même, faut pas déconner, mais. On peut toujours se replier en plus, mais c'est tendu. C'est tendu surtout en termes de ressources en fait. La première partie de la mission, on avait énormément d'ennemis à tuer, plus d'une centaine. Du coup, on est un peu en short munitions, quoi. Et en plus, là, on est dans une zone où il y a du gaz toxique. Ce qui fait qu'à chaque tour, tous nos mecs prennent 3 de poison. Ok, là, va falloir... Normalement il a pas perdu tant de morale que ça, donc il devrait pas faire de jet de morale. Mais il va falloir qu'on lui fasse quelque chose à... Heureusement on a le médic juste à côté. C'est la mission pour récupérer le super outil de hack. Oui exactement, tout à fait. Ok, moins 42 de poison en moins, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, là, on va commencer à causer là. J'ai envie de disperser dans cette zone là, là. J'aimerais bien disperser ici, ce serait parfait. Et c'est pas mal aussi. Ah mais oui parce qu'il y a un truc ici, j'avais pas vu. Ah et du coup ça déclenche pas. Toi t'es un petit peu en train de crever, du coup hop, on va te mettre un petit medikit. Reste une grenade toi. Vas-y balance la grenade par là. C'est pas si mal. Donc ici il y a un petit truc de soin, ça serait bien d'aller le récupérer mais la priorité c'est de péter des fesses. Parce qu'il y a beaucoup trop d'ennemis. Voilà. Pas mal.
Tu les fais aussi mais avec une seule escouade et tu finis les derniers ennemis au cac avec juste des munitions de sniper et deux mecs qui se lançaient le fusil. Là j'en suis pas encore là mais ouais clairement c'est pas simple. On va pas se mentir, c'est pas simple. Mais j'ai trouvé une caisse là avec pas mal de munitions. Et là y a du loot pour récupérer un petit peu de vie. Donc je vais faire le plein ici. Tout ce que je peux prendre. Les petites picouzes, tous les petits machins qu'il faut. Toc, ça on prend. Là, on scanne. On pirate. Toi, tu montes. Tu pirates. Après, tu vas te mettre ici en position. Mets-toi là d'ailleurs. Comme ça, on va pouvoir te passer le canard et ramasser ça. On a plus de place. Ok, très bien. Ici, il fallait qu'on se replie. Parce que derrière cette porte là, c'est carrément la merde. Là, on est obligé de prendre. Toi, t'as pas d'agilité, toi. Donc, toi, t'es obligé de prendre un. Non. Malheureusement, t'es obligé de prendre ça. Voilà. Viens jusqu'ici. Toi. Ah, on peut passer sans sauter ici maintenant. Toi, par contre, t'as deux sauts. Donc, tu sautes. T'as pas trouvé de munitions pour des armes? Bah là j'ai réussi à trouver un stack de munitions de fusil d'assaut. Mais j'ai dû abandonner un quaker au sol là. Il y a Jilid qui a filé son pistolet mitrailleur en renfort. Parce qu'il était un petit peu dans le mal. Donc maintenant il a un lance-flamme et puis il se démerdera avec. Ici. Oui toi t'es au corps à corps. Donc, tu vas te placer là pour te préparer à fermer ça. Ici on va en fermer un. Amine où il te reste pas grand chose, toi tu peux venir ici. Ah merde, t'as plus de balle. Tu peux faire un short quack. Ça n'est pas lourd un short quack. Toi viens là. Essaye de nous tuer celui-là. Ok. On avance un peu par ici. Bon, ça on va le laisser crever. Probablement que ça va disparaître sous les flammes. Tant pis. Alors, il nous faudrait peut-être un film médic de renfort par là plutôt. Ouais. Toi, t'es encore bien équipé. Allez, Chobiti. Pète des fesses. Non, ça c'est trop petit, tu pourras pas le toucher. Vas-y, saute. Commence à progresser par là. T'as pas assez pour ouvrir et refermer si c'est la merde, donc t'ouvres pas. Ok, il faudrait qu'on tue ça. Ici. Ah putain, il y en a un autre là quoi. Non mais rate pas, sérieusement. T'as pas mieux à faire que rater. Il y en a deux autres là. Ouais, on pourra jamais aller fermer cette porte. Sérieusement. Joue pas au con. Aïe 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 aïe. Ok, on va se préparer. Bon, on va jeter un oeil dans cette porte. Est-ce qu'on voit le truc final? Non, absolument pas. Et en plus. Putain. Ok, on referme. Hop là, voilà. On va reload notre dernier chargeur et après on passe aux munitions explosives. Ce qui est pas si mal hein. Du coup toi commence déjà à remonter pour être un peu plus proche pour sauter. Non, toi ça sert à rien ces points de mouvement. Toi tu vas gagner une case, ce sera ça de fait. Toi tu fais pas mieux, toi non plus. Ici, deux cases, tu peux progresser d'une case par là. Parce que ton inventaire est quand même plutôt vide.
Toi, t'as fait tout ce que tu pouvais. Toi, tu peux aller d'une case par ici. Allez, c'est parti. On avance. Ouais, c'est ça, Alastre. Souvent, c'est totalement à l'opposé. Il te le dit au début, il te dit ce sera probablement à l'opposé de votre point d'entrée. Donc, je pense qu'il doit être par là, là. Mais le problème, c'est qu'avec tous les trucs ouverts qui te popent des aliens, là, c'est chaud. Après, quand tu butes ces machins là, ça nettoie un peu le terrain. Ah non, ils ont ouvert, fait chier. Bon, faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse. Là, il y a de moins en moins de flammes, donc ils s'infiltrent. Ok. Mais oui, mais bien sûr, explose ça. Très bonne idée. Ça, c'était la bonne idée, ça. Ça te coince le chemin, je comprends. Ça rend fou. Et alors, je sais pas si t'en avais à l'astre. Je pense que les masques à gaz aideraient dans cette mission, pour le coup. Mais je suis pas sûr. Je sais pas s'il suffirait à limiter les dégâts du poison. Ok, donc là. Oh putain, un alpha. Vas-y, pirate-nous ça. Non, c'est pas ça. Merde, raté. Oh, on se calme. Voilà, merci. Tu peux aller jusqu'où? Tu peux te barrer. Ok, on peut se barrer. Excellent. T'as de l'agilité, toi? Non. Donc du coup, t'es obligé de prendre ça et t'arrives sur la porte. Donc du coup, ça veut dire que c'est toi qui vas d'abord. Yes, sir. Ouais, bah moi non plus, je m'attendais pas du tout à ça, donc j'ai absolument pas pris ce qu'il fallait. Mais je pense que ça doit aider. Enfin, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt de cet objet, mais s'il y a une mission où ça doit être utile, c'est bien celle-là, quoi. T'avais pas voulu prendre ce que t'avais looté au niveau précédent? Ah, alors le niveau précédent, pour le coup, moi, sur cette mission-là, j'avais que dalle. Il y avait deux caisses avec deux trucs dedans, c'est tout. Et de la merde. Voilà, c'était un petit peu la dèche, quoi. Bon, lui, il est toujours là. On va le tuer. Pas le choix. On va ouvrir cette caisse. Qu'est-ce qu'on a? De quoi enlever du poison? Parfait. Oh oui, encore plein de munitions. Ça, c'est pas mal, ça. On va sauter. On va aller mettre... un petit coup de hache dans les fesses de celui-là, parce que pourquoi pas. Est-ce que Aminou, tu pourrais progresser jusqu'ici? Il y a un autre nid là. Ok, là il y a des bottes, des balles. Et là des munitions pour fusil à pompe, pas hyper utile. Ah mais là ils sont coincés en fait. Ah mais ils sont plus coincés là. Oh, il y a un primotron ici. Ah mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer dans cette zone? Je ne suis pas sûr. Ok, donc du coup on va... plutôt faire ça. Ah mais ils peuvent passer là. Merde, ils peuvent passer là. C'est con ça. Mais où tu vois ce qu'il y a dans les caisses? Alors c'est Chey qui m'a appris ça. En fait, là. Si tu regardes tout en haut au-dessus de l'écran, au-dessus de la minimap, quand tu pointes une caisse, il y a les objets. On voit les objets. Alors je suis d'accord, c'est carrément planqué. Mais j'ai découvert ça, j'étais... oh, trop bien. Ok, on va aller leur cramer la tronche à eux. Ça leur fera plein de mal. En plus, on coince un peu le chemin. Hop. Non. Toi. Donc cette pièce-là, on laisse fermer. Ils sont en train de faire des trous dedans. Donc on se tire. La question, c'est est-ce que toi, je t'envoie en bas ou en haut? No problem. Ouais, moi aussi je galérais à tout fouiller tout le temps. Et là, il m'a montré ça totalement par hasard. Enfin, pour lui, il avait remarqué. Puis voilà, il était en train de dire: ah ouais, dans ce coffre-là, il y a tel truc, dans ce coffre-là, il y a tel truc. Je dis: mais comment tu sais? Comment tu sais ça? Il me fait: bah si, regarde en haut là. Ah, magie. Magie, magie, quoi.
Si je vais ici, je pourrais pas le pousser parce qu'il y a l'autre con devant. Donc là, Aminu, t'es tout seul sur ce coup-là. Ok. Je peux monter jusqu'ici pour lui allumer ses fesses. On va pas se gêner. Allez, go. Zut, on a plus ce qu'il faut. On va unload et on va recharger les. Comment c'est déjà? Shift NMB. Ok, voilà. Là, on va passer aux munitions qui foutent des flammes là. On va commencer à causer un peu. Lui, on va lui faire du full burst dans ses fesses également. Reload. Voilà. Commence à faire un peu mal. Il en reste toi. Toi, tu peux venir ici. Tu tires une fois au-dessus. Ah, tu peux pas tirer sur celui-là, zut. Peux te mettre là. Voilà, là, 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 là. Allô, quoi. Ouais, un seul full burst, ça suffit pas. On fait mal quand même, hein. Mine de rien. Non, tu vas plutôt te pousser, voir s'il n'y en a pas d'autres qui peuvent passer, genre toi. Alors, ça serait bien de fermer ça, mais plutôt pour toi, voilà. Après, tu vas te diriger par là. Et toi, t'as une grenade. Si tu viens ici, t'auras de quoi la lancer. Vas-y, claque-nous la grenade là. Ah, c'est dommage ça. Je peux pas la lancer là. Okay, on va plutôt tuer les petites saloperies. Voilà, ça en fait quelques-unes en moins. On va recharger parce qu'on a plus que 30 balles. Il reste toi qui peux pas aller plus loin. Lui, il a encore tout ce qu'il faut. Il peut venir jusqu'ici, mettre des petites flèches. Pff, des petits tirs là-bas. 72 sérieux seulement de chances de toucher quoi. C'est quand même un peu abusé. Allez, un short quoi que ça va suffire là. Ok, parfait, toi tu te pousses. Oh mais non. Sérieusement là. Faut arrêter de. Hein? Faire de la merde, ce serait bien. Bon, du coup, il reste toi. Si on veut te ramener par ici, le plus rapide c'est par là. Eh ben, vas-y, viens. Gagne une case. Et du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. Quoique, non, je vais passer le tour parce que je ne peux pas sauvegarder. Donc, on va passer le tour et après, on arrêtera l'épisode. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. J'aurais bien aimé qu'il crève du feu, lui, mais j'y croyais pas trop. Mais s'il coince le gros alpha là, ça me suffira. Bon, encore mieux. S'il y a un petit qui coince tout le monde, ça me va encore mieux. On enverra au pire une grosse explosion si besoin. C'est ça, tapez sur les caisses, faites-vous plaise. On va leur faire un disperse là. Ça va les calmer. Je pense que si j'ouvre cette porte, je vais le voir l'objectif. Ah non, il est parti lui, dommage. Bon, on détruira les caisses de loot là, je pense. Il a une attaque de plus. Non, même pas. Ok, là ça commence à rentrer, mais on va passer le fil médic, fermer la porte derrière nous, et on n'en parlera plus. Putain, lui il souffre par contre. Il va lui falloir une piqûre ou une petite pilule. Ah, c'est pas que j'aime piqûrer les gens, c'est que c'est la merde. Allez, on s'arrête là pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à très vite pour la suite.